Jean-Aniel assis peine encore à réaliser ce qu'il a vécu. Je tremblais, j'étais, mes pieds chiquaient et tout, donc c'était fou là. Une dizaine de jours après avoir signé son premier contrat professionnel, l'ancien du Royal Beauport est devenu à 16 ans le plus jeune joueur à fouler le terrain de l'histoire de l'Impact de Montréal le 15 décembre à Orlando. Tu vas, tu t'attendais pas à ce que tu joues, donc c'était un appel à la 82, 83e minute, tu te dis tu dois rentrer, t'es là, tu sais pas si c'est vraiment toi. Un grand moment pour l'adolescent, mais également pour sa mère, qui a quitté la Côte d'Ivoire pour venir s'établir au Québec seule avec son fils il y a 6 ans. Elle a laissé ses emplois pour venir ici. Donc c'est un grand sacrifice pour elle aussi de venir ici et de voir son fils jouer. Vraiment, ça a été vraiment une grande joie là. Je sais pas comment l'exprimer, mais... je suis vraiment fière de lui. Dès le premier jour où il a marché, Jean-Aniel a toujours eu un ballon au pied, raconte Viviane Kouassi. Je l'ai trouvé avec un ballon entre les jambes. Il courait derrière la balle. Puis il est venu m'accueillir. Et puis là, je l'ai soulevé. J'ai dit « Ah, tu marches! » L'idée de se joindre à une équipe de soccer compétitive est toutefois venue d'un professeur de 6e année de l'école aux 4 vents à Beauport qui avait vu Jean-Aniel jouer dans la cour d'école. Il m'a invité pour aller faire les camps. Ben avec le Royal Beauport, et c'est là que ça a pris. Quand Jean-Aniel embarquait sur le terrain, je pense qu'il aurait pu jouer tout seul des fois, puis ça aurait... il aurait gagné. Lui, dont le fils jouait aussi pour le Royal, Thomas Plante se rappelle d'un joueur dans une classe à part. Comme la mère de Jean-Aniel n'avait pas de voiture, le père de famille a vite pris l'habitude de reconduire le jeune ailier au match de l'équipe. C'est devenu une relation vraiment super le fun, et puis ça a continué d'année en année. Il m'a pris ici pour aller... dans tous mes matchs, j'allais chez lui, il m'hébergeait chez lui des fois. Il me prenait comme son fils. Parti à Montréal pour joindre les rangs de l'Académie de l'Impact il y a 3 ans, Jean-Aniel Assis n'a pas oublié Thomas Plante. Il lui a d'ailleurs ramené en cadeau le chandail qu'il portait à son tout premier match. Et c'est quelqu'un qui était là pour moi et puis qui est toujours là pour moi. Donc... si on est là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il a tout le mérite. C'est juste une personne spéciale. C'est dur à décrire. C'est des personnes qu'on ne rencontre pas souvent dans sa vie comme ça. Une personne et un joueur spécial dont la carrière avec l'Impact ne fait que commencer. Même si tu es jeune, tu es un enfant, il faut juste croire en tes rêves et puis travailler fort pour arriver. Joueur professionnel à 16 ans, Jean-Aniel Assis n'a pas fini de rêver.